Président Tolbert, alors, député Tolbert, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous, Loukou et l'autre ami dans le studio, Isaïe. Et c'est un plaisir pour moi et avec nous matin. Et puis, bon, d'entrée de jeu, on a présenté encore une fois et condoléances, nous. Bye tout le monde et dans le Grand Sud, NIP. Jérémy, nous t'ai fait déjà parce que nous t'es parmi les premiers monde qui t'es lancé en alerte internationale sur Twitter et t'es campé média international, France Télévision, EFE, à Société de Presse, tout est, à l'instant, ça, t'es entré en contact avec nous et nous t'es bâillé des entrevues et nous t'es justement expliqué, et en plus, ça passe, hein, et, son occasion encore aujourd'hui, hein, et médias et locaux pour nous capables de continuer à faire ça. Fait ça, mais est-ce que ou pas gagné des cap dollars étant comme ancien président et donc chambre députée 49e, mais ou pas gagné député ou pas gagné monde qui prend contact avec vous sous difficulté ou gagné président Tolbert? Oui, bien sûr, nous et n'a profité saluer député ancien député David Genesti qui derrière d'ailleurs nous personnellement directement dans cette victime parce que j'ai ma tante moi qui c'est Monokai, maman c'est Monokai, il y a ma tante moi qui derrière, donc nous gagnons des bagages avec une sortie voyée, et dans le cadre justement, il aide nous toujours à faire, donc ça veut dire que nous pas déplacés à la sous-place. Quant à présent, nous avons député Sinal Bertrand, tout cas, font un bon travail, député Luino, député Ouglin, justement, tous tes collègues, ça nous en contact avec eux qui sont place. Vous connaissez Ouglin Téma qui est perdu papa Ali? Oui, je connais ça, je connais ça. Moi-même, j'ai ma tante moi qui est victime dans Charpentier et j'ai une cousine moi qui a été casée, etc. Donc, et maman, lui-même, il n'est pas habité au Caï, mais maman, c'est mon au Caï. Donc, ça veut dire que je connais justement. Et je parle à Ouglin hier, je parle avec député Sinal matin, je parle à Sinal presque chaque jour, je parle à député Genesti. Donc, t'as coordonné pour nous capables de vous aider et continuer à aider. J'en suis capable, et des mouns pas nous victimes, et des autres collègues, de lui, non, et que matin, pas la veille. Donc, ça veut dire que, c'est tout on chaîne de solidarité que nous mettons en place, quel que soit côté nous y est, parce que, justement, et l'on bagaille rive, on partie dans le pays, c'est tout pays. Mais c'est une occasion, si tu me permets, Pierre Matin, à tout, c'est une occasion, justement, de refaire encore, de relancer un appel pour l'environnement. C'est un homme qui a fait une bataille depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on m'a demandé pour retirer justement la subvention qui gagne sous gasoline, pour mettre sous gaz propane. Je vous dis à bien ma tête à tout, Jérémy, département grandant, ce département qui baille plus charbon de bois dans le pays. C'est avocat avec l'âme qu'il a coupé pour faire charbon. Donc, je vous dis à Haïti, c'est. Monsieur, soit tout le monde pour ça. Son combat a peine depuis 5 ans. Haïti est l'unique désert de la Caraïbe. Seul moi-même qui a dit discours avec la peine. C'est non désert à vivre. Il y a un truc que les arbres qui sont en Haïti, c'est un titre décoratif. Nous n'avons pas 1% de couverture forestière. La République dominicaine voisine, nous, depuis près de 36 ans, ils ont subventionné gaz pour panne. Nous demandons pour retirer subvention, pour l'État retirer subvention de gasoline, pour le gaz pour panne et pour acheter 4 à 5 millions de bonbons de gaz pour panne pour le bail. C'est le premier bagage pour nous faire, parce que depuis qu'on ne paye pas les pieds pour nous, même nous avons gagné. Nous sommes seuls les cap dit que dans 20 ans, Haïti a des problèmes d'eau potable. Nous avons même temps de 20 ans. Je dis à quoi on va mettre l'eau. Il faut verrer pas de l'eau. Il y a des côtés de l'eau qui va gagner de l'eau. Côté député Johnson Lewate, il y a zone côté de Fessel, là, pas de l'eau potable. Mm-hmm. Ou paquet de zone dans le pays, la caille, moi, par exemple, et dans Orange, il y a sous qui tarie de l'eau, dans tête, mon âme, de l'eau, c'est de l'eau tarie, pas de l'eau encore. Mm-hmm. Donc, je dis, là, mes questions environnementales, il n'y a pas intéressé personne monde. Dans 80 ans, Pierre Martin, t'as tout, au Cap Haïtien a perdu près de 30% de tel gain en terre. Monte Cristi qui voisin dans un endroit a perdu 18%. Et donné qu'il a, c'est un gain dans la couchée. Haïti est une île. Haïti est une île. Le cisement, ça veut dire que, pareil qui, l'eau potable, l'eau la mer, a mangé terre, a avancé chaque jour avec le réchauffement climatique là. Notre télévision française nous dit ça. Il dit Haïti est c'est un pays qui est victime de réchauffement climatique là. Mais je dis même avantage ça on ne peut pas tirer. Même avantage ça on ne peut pas tirer parce que nous victimes de réchauffement climatique parce que l'autre grand pays a émis gaz à effet de serre CO2. Mm-hmm. Nous mêmes nous sommes île.
le niveau la mer a monté, et bien la bande, chaque fois que le niveau la mer a monté, côté tigné, on côté pas nous, l'on de la donne, l'on de la donne, l'on de la donne. Jusqu'à ce que la bande va y nous. La bande va y nous. Mais bah, ça y est, c'est des débats, ou ap fait yo, ou ap mande siye dans des heures apprécié. L'on dit que Haïti est l'unique des heures de raïe, on est qui y a eu des débats, mon pied bois là, mais Haïti n'a plus pratiquement plus de forêt. Donc c'est vous-même qui fou qu'on y a là. C'est où voilà, c'est où une barrette nous foua. Mm-hmm. C'est pas que la visite. Forêt des pins et de goumé. Ça veut dire que pour yo, charbon a fait tout côté. Et puis c'est à fruitier qui a fait charbon. Premier bagage pour nous faire. Premier démarche qui a fait tout. Pas de charbon qui a fait dans le pays encore. Parce que nous ne pouvons pas. C'est pas pour qu'on mette terre. Même pour faillot en bas. Bon, terre tout nu. Tout terre tout nu. Et puis, un constat qui est très facile, oui. Algade, monsieur charbon. Voilà. Et si bas, petit parce que pas de bois. Pas de bois, voilà. C'est le département qui bat plus charbon de bois. Voilà, c'est le département qui bat plus charbon de bois. Mais je dis à la société postmoderne, nous pas qu'un charbon de bois encore. Et puis je dis à là, justement, nous pas d'environnement. Et Haïti est une île, son pays sont îles mouillées. Et c'est environnement qui primordial, qui vital pour nous. Sans parler de insalubrité, sans parler de déchets plastiques, sans parler de tout ce qui est qui peut arriver. Donc ça veut dire que son grande sensibilisation, son grande bataille politique pour justement des partis politiques plein combat environnemental. Il va parler de limites environnement, mais de drôle, fait coloc, par exemple, qu'à prouver dans rien, au ministère, coloc, chaque jour, mon hôtel, la paix coloc. Non, il faut que des bagages concrets, il faut que des mesures concrètes. Vous mettez gaz pour pas nous subventionner, galon pour pas nous faire manger 40 gouttes. Et puis, vous avez dit que vous et pour qu'on ait pour l'autre communiqué, ou pour l'autre décret, interdit charbon de bois dans le pays. Il y a son délire. Ces domaines sont des délires. Il y a plusieurs choses à voir pour vous. Vous avez dit que son bagage qui est terrible. Parce que, et puis, les carrières de sable. Même si c'est domaine, on n'est pas rentré dans la rivière pour apprendre sa rivière. Non, on va pas dans la rivière. Voilà. Ça veut dire que. Aïe. Même bagayo et l'eau, externalité positive, là, pas faite dans le. Ça veut dire. Ça veut dire, on a qui vient soit ton mine, quand on mine sable. Faut bailler un plan d'études, et faut montrer qui est pas que ça va gagner sur l'environnement, et qui plan gagner pour remédier à l'impact. Avant, on t'a un permis pour capable justement venir exploiter un mine sable. Pour montrer au ministre de l'environnement, même ça, s'il voulait faire. Mais minimum ça s'il voulait faire. Parce que faille là qui bol sorti, faille là qui sorti parce qu'il y a juste bureau. Hein. C'est là la boule 12 sorti. Yeah. Eh bien non, mais là la boule comme c'est là, la boule 12, faille là les têtes aller. Il faut parce que c'était à quoi quoi. De quoi fou que t'es à fou une bien la route. Ah, fou à fouiller le panier bien bon. On fouille le tout tourné. Ou gagne l'autre pas monter man gabrit. Oui, mon Gabri, je ne peux pas gagner 3 jours de passer mon Gabri. Tout comme mon Gabri, chaque jour mon Gabri. Mon Gabri, c'est une circonscription, mais c'est une zone de bouquet. Donc, pour nous qui ça, je vais vous passer, et il est vraiment triste. Il faut qu'on mesure qui pourrait. Ce n'est pas seulement à déplorer, puis à prendre l'autre séisme, à ne pas souhaiter pas le passer, non, pas le passer de tel coup. Non! Mais il faut qu'on mesure, au moins. Il faut qu'on mesure, nous tant de bagailles. Haïti n'a pas de l'eau potable. Non, 20 ans, Haïti n'a pas de problème de l'eau potable. Depuis que vous avez dit, ça fait mon Gabri. Oui. C'est que moi, j'ai un côté, il a fouillé mine sable là, et tout près route là. Oui. Tout près route là. Donc ça veut dire que, il faut prendre des mesures au moins, mes amis, parce que c'est là qu'on a vivre, c'est des millions de monde, il y a 11 millions de monde qui l'a, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y a pris nous, alors chaque fois qu'on va arriver, et puis, il y a déjà couru, il y a une petite ça, une petite l'eau, une petite bagaille, et puis nous, on fait yo, nous, on tout bagaille, nous, on tout bagaille, nous, on fait rien. Mais mes yeux, pas mon. Et pas, il y a déjà dit, nous, pas venir couper, mais bon, encore, c'est pour une conscience pour nous faire. Donc, vraiment. Pour conseil, je dis, pour conseil, que vous travaillez à tout le monde, trois départements, tremblement de terre, et qui victime, mais tout, avec un paquet de monde qui a pris route là, et dans la tête, qui prend le pot d'aide. Et mais route là pas si tellement bon que ça non parce que des moun capan pan caoutchouc et puis gen volé k ap paret sou yo. Oui, c'est clair parce que connait conseil ou tabay là jodi a. Bon, conseil là c'est fait prudence, c'est toujours le même sentiment parce que nous sommes un peuple très solidaire et bon bagaille m'a profité dit puis m'a tête à tout et puis pour me sensibiliser davantage haïtien pour une vie et compatriote pour une vie humaine. Mon cher, pendant la période Covid là, pendant la période que nous avons aidé, que nous avons ramassé un corps pour aider des hôpitaux, et pour la première vague Covid là, et par contre, je me songe, et puis un matin, t'as d'autres. Et est-ce qu'on l'avait, et puis un matin, maintenant, là, pendant la période première Covid là, et première vague là,
et Haïti il était dit que gouvernement est passé il était dit que Haïti a acheté près de 3000 cabanes et ventilateurs etc. T'es gagné on sent Covid qui était dans parc olympique Canaran etc. Mais pour un peu plus de Covid là, grâce à Dieu t'es gagné mon nous fait prévention etc. Ouais. Et Haïti qui remet fait il n'est pas frappé nous mon cher pendant période ça on était ouais que l'hôpital République Dominicaine était saturé comme voisin. Et comme article première constitution d'Haïti est un peuple solidaire, la solidarité internationale son bagage parce que personne ne peut vivre en vase clos. Mon cher, dès qu'on tweet, nous demandons pour Haïti aider la République Dominicaine. Mon cher Haïti était fâché. Bon, regardez, je vous dis, premier aide qui arrivait, premier monde qui arrivait, c'est voisin. Ça veut dire que, mais puis me répété là encore, parce que pour statut monde qui est en train de tout, c'est la dignité. Ça veut dire que, faut toujours, ou mettre pauvre, faut gagner dignité, m'a répété, ou mettre, c'est pas richesse qu'il faut, c'est la dignité qui fait monde. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si vous avez un voisin, ou pas obligé, ou pas besoin de considérer voisin, gagner parce que vous aider le même bébé, matin à tout. Définitivement. Ça veut dire que, ou gagner doit, c'est, et pas le pape, qui ça le pape fait, dans même période là, Vatican c'est le plus petit état du monde, qui ça le fait, République Dominicaine cadeau? On ventilateur, on ventilateur pour mettre dans n'importe où, on seul, on graine. Combien de vendre? 30 000 $. Ça veut dire, mais les libas ont aide. Donc, on t'a expliqué à l'époque, faut Haïti, pendant que nous avons des avoirs, aider. Parce que toujours dit Haïti, son peuple ingrat. Parce que Haïti, c'est là, prendre des aides, ou pas ramener des personnes. Parce que tout le monde besoin d'aide. Tout le monde dit, comment on est arrivé dans une situation de ZM? Qui m'a dit, t'as dit, puis on va t'aider tout pendant le premier Covid là? La Russie t'avait des Américains. Et où t'es well? Donc tout le monde a besoin d'aide. Alors, on tire rectification, président Tolbert. Donc Haïti, pas ingrat. Haïti, Haïti a aidé dans ça, t'es gagné, t'es aidé, par exemple, pour liberté. Haïti allait dans un paquet de pays pour liberté. C'est ça, nous t'es qu'à faire. Oui, à l'époque. Parce que nous devons toujours marcher sous même lise en cette yo aider un pays quelque soit son café nous aider la Grèce nous aider les Américains nous aider la République Dominicaine le 16 août c'était le 16 août la République Dominicaine c'est la fête de la restauration de l'indépendance dominicaine pas oublier les Dominiques étaient une indépendance de Haïti en 1844 l'Espagne était venue recoloniser. Eh bien, Mbralba, un héros haïtien, que Haïtien pas même connaît, qui existait dans le musée de la restauration de l'indépendance dominicaine. Monsieur, il est Alfredo Desjans, monsieur Ténégo Cap. Monsieur, son commerçant, là, monsieur Téouais, que Espagne vient envahir la République dominicaine, on est au Cap. Monsieur, pour un groupe haïtien, l'y acheter. Li traverse ce domaine, li armé yo, li bataille, li République Dominicaine, chasse Espagne pour yote kavine indépendant encore. Parce que monsieur te dit tête li, si Espagne envahit Haïti, si Espagne envahit République Dominicaine, la France ka tourne dans l'autre bois. Eh bien, monsieur, pour compte pas, monsieur Relé, Alfredo Desjans. Bon, université en Haïti, te doué t'apprendre des jeunes haïtiens, al Santiago, al nan musée de restauration, al gade histoire sa. Bon, Haïti pas même connaître, non? T'es chargé. On histoire restaurant, Haïti pas même connaître. Donc, montrons que nous sommes grand peuple. Oui, une génération pas nous, pas les marchés sous grand peuple, sous ça nous y est comme grand peuple. Non. 2189 moun décédé dans le Grand Sud. Et ça dit un bagage pour vous déjà? Oh, mais c'est la vie de l'homme, c'est la vie de tout homme. Vous avez dit c'est l'occasion pour nous capables de présenter condoléances. Non, c'est l'occasion, dans la solidarité, nous fait déjà vous et bagage, aider les collègues qui sont sur place. Et nous occasion pour présenter condoléances et sympathie. Non, et moi-même, je demande au ministère de la Défense, par exemple, qui est arrivé à 4 heures, me demander pour le ministère de la Défense, c'est plus sous place. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui encore pour repenser, parce que Haïti, nous allons vivre à des risques, même en République Dominicaine, côté géologue, a dit, au monde qui parle les sentiers secousse, ou mettre à vivre dans l'autre pays. Parce que failli qui passe à Haïti, ils passent tout. Ils même, ils prennent conscience depuis longtemps, ils construisent mieux, même là, ils prennent la guerre moins dégâts. Mais, ils ont senti secousse, ça. Tout secousse qui est passé là, ils ont senti le tout. Les barils, il y a des côtés, il y a des sentiers, tout normalement. Il y a des zones qui prennent, il y a des sentiers. Et donc, ça vient de faire que, aujourd'hui, il faut toujours que maintenant, tête, nous, cyclone, et tempête, ouragan, d'autant plus que nous, très vulnérables, nous-mêmes, nous vulnérabilisons peut-être davantage. Et nous, il y a des cyclones derrière, qui sont venus.
Oui, chaque année, 6 mois. Ça veut dire que chaque période cyclonique, ça veut dire que c'est yo cas. Ça veut dire que la culture du risque et de Mdakadou et par rapport avec changement climatique, tout bagaille, faut éduquer mon audience, c'est là qui vient cap récurrent. Parce que réchauffement, parce que si on a besoin, bien d'où tout au début, on dit ça dans la télévision française, Haïti, pays d'Haïti, son pays qui est victime de changement climatique là. Et il y a des fonds pour ça dans les Nations Unies, parce que Haïti sont îles, grand pays à permettre gaz à effet de serre CO2, et puis c'est pour petit pays ça, même là où prend soin environnement, où t'as toujours frappé. Comme nous-mêmes, nous ne prenons pas soin environnement, nous, les vies plus difficiles pour nous, puis on va être à tout. Donc, on laisse à tout le monde qui est victime, et c'est un plaisir, on salue tout le monde qui t'a attendu, tout le monde qui a des bouquets, on va citer non, et semaine prochaine, et l'autre événement qui a fini, laisse ça, on a parlé de l'autre bagage. Et puis, Tolbert, courage, et Kembe Du, Kembe Fem, merci beaucoup. Bye bye, et puis, à